Et hop, nouvel épisode des ICEET, euh, cette semaine à nouveau avec un photographe du passé ou du présent, qui va nous servir pour essayer de mieux comprendre le, les progrès de l'intelligence artificielle en termes de photographie. Donc je vais me baser, comme chaque semaine, sur ChatGPT pour les informations, ensuite utiliser Dali et Midjourney pour illustrer ces informations, euh, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, on va tout de suite partir euh, demander la question euh, à Dali, à Dali, à euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la bio de l'artiste France de l'année 1916-2013 était une photographe de mode américaine active des années 1940 aux années 1980. Donc voilà, comme chaque semaine, les, les photos, euh, les deux premières photos sont toujours à gauche, là, pour les séries qui suivent, toujours à gauche pour Dali, toujours à droite pour Mid Journée. Les deux premières photos sont une illustration en fait de, de personnes qui ressembleraient euh, à l'artiste euh, dans un style qui s'inspirerait de l'artiste. Donc, euh, c'est pour donner déjà une petite, une petite introduction. Je modifie un petit peu la. Le, le format de cette, de cette rubrique, de, ce, de cette playlist. Simplement, bah, j'essaie d'améliorer, c'est un souci pour, pour m'amuser, aussi pour essayer de divertir. C'est de le faire un peu plus court. La semaine passée, c'était un peu long. Donc, essayer de faire un peu plus court et un peu plus concis et plus aller voir ce que sont les capacités de l'intelligence artificielle en, en photographie. Donc, euh, écoutons-en un peu plus. Elle a commencé sa carrière en tant que mannequin avant de se vers la photographie dans les années 1940. Alors voilà les deux, les deux premiers exemples. Donc, à nouveau, là, c'est vraiment. Je cherche, à, je pose des prompts que j'envoie à l'intelligence artificielle afin qu'on ait quelque chose inspiré du style de, de la photographe dans, dans ce cas-là, euh, avec euh, des, des thèmes qui correspondent au texte euh, de bio de l'intro euh, de l'artiste. à droite, journée toujours un peu ce style journée esque euh, Dali un peu moins. Euh, je vous laisse évidemment, comme chaque semaine aussi, aller voir les, des documents un peu plus avérés euh, sur, ce, sur cet artiste. On, on va en parler après quand on va parler du style. Mais continuons pour l'instant. Claude est surtout pour son travail en tant que photographe de mode et bizarre, où elle a capturé le travail de nombreux de importants importantes, telles que Christian Dior et Coco voilà donc deux autres exemples avec dali à gauche, midjourney à droite. Je trouve que midjourney comme toujours, on a ce style bien particulier. Là, on part sur du noir et blanc qui correspond assez bien à la période d'activité de l'artiste, avec évidemment ce côté un peu de mode et le style d'une époque. Droite, mid-journée resserre pas mal avec des visages comme toujours hein, très mid-journéesques. Je trouve Dali plus intéressant sur le coup, là, notamment aussi dans du style. Euh, alors un peu moins hyper réaliste, mais il euh, y a quand même du grain, il y a, y a de la composition. C'est assez amusant, j'aime beaucoup l'ombre de, de, de la persona euh, sur l'image de gauche. Elle a également photographié des célébrités telles Marie, Claude était connu pour sa capacité à capturer l'élégance et le glamour du monde de la mode. Elle est décédée en 2013. À nouveau, un bon reflet, je pense, de la période et du style de la mode de l'époque qui correspond au travail de, de notre photographe. Le, il est clair que, à nouveau, on retrouve vraiment la force pour ceux qui ont aussi l'habitude de, de suivre cette playlist. Hein, on retrouve le, le style de Dali et le style de Midjourney qui, qui se surajoutent en fait euh, euh, au travail en général. <laughs> à gauche, euh, Dali, j'ai dû augmenter la taille du canevas. Je trouve intéressant par rapport à la photo. Je trouve intéressant aussi par rapport à la composition et au style photographique qui pourrait bien qu'assez générique, correspondre à, à, à l'artiste. À droite, je trouve ça un peu plus, un peu plus vague. Je, je trouve moins l'inspiration dans, dans le travail de Midjourney. Alors vu qu'on a maintenant, on sait que c'est Frances McLaughlin, notre photographe de la semaine. Euh, Est-ce qu'intelligence artificielle, est qu on pourrait en savoir un petit peu plus euh, sur son style, ce qui la différencie des autres photographes Le style de Frances, le est connu pour son élégance et son amour. Elle avait un aiguisé pour capturer la beauté de la mort des personnes qui la portaient. Alors photographes qui mettent souvent en valeur de les vraiment dans le style de, de la photographe, j'utilise vraiment ces éléments qui sont, somme toute, quand on, on regarde à force. D'ailleurs, il y a certains commentaires qui qu l'évoquent dans, dans, en fonction des vidéos. C'est assez superficiel, en fait. Le, les explications que l'intelligence artificielle nous donne via ChatGPT. Mais si on regarde un petit peu aussi les, la littérature un peu, un peu généraliste, comme les, les bouquins Tachonne ou autres, euh, c'est pas moins survolé, je dirais, que certains livres, euh, soi-disant références. Euh, mais là, en tout cas, en termes de résultats d'image, j'aime beaucoup les, les deux résultats. Je trouve qu'il y a plus de personnalité qui s'expriment dans le, dans le travail de, de Dali qui visiblement met une emphase sur, la, sur les ombres portées, avec ce, cet effet de studio et, et, et à nouveau des poses, je trouve, photographiques des modèles, quand il y en a, qui sont plus intéressantes. Mais à droite, un, un côté un peu plus classique, euh, d'une période aussi, euh, et un, un côté très propre. Alors là, je trouve assez réussi, pour le, pour le coup, ces deux images. L'utilisation de la lumière donc l'onglogie était également remarquable, car elle utilisait souvent une lumière douce et diffusée pour créer une atmosphère rêveuse romantique dans ses photographies. Ici encore, Dalice s'intéresse plus, Alors, je ne sais pas si c'est les bons termes, on va peut-être devoir inventer un, un vocabulaire pour l'intelligence artificielle, pour ce qu'elle crée, mais je trouve qu'elle s'intéresse plus à la pose, à la composition. Est-ce que c'est lié à, sa, à son apprentissage de, du style de la photographe mais en tout cas, je trouve que ça marche assez bien avec aussi le côté vraiment mode qui a l'air un petit peu avant-gardiste et jeune pour la période dont on parle par rapport à cette photographe. À droite, plus classique de la part de Midjourney. Mais assez réussi. Je trouve que là, les résultats sont assez, assez, assez sympathiques, de bonne qualité en, en général également connu pour sa capacité à capturer la personnalité et le caractère de ses sujets, en particulier dans ses photographies de, de célébrités. célébrité. Ici encore, je trouve que Dali essaye d'autres choses, mais là, la réussite est moins grande, et j'ai vraiment l'impression que dans son, dans son set d'apprentissage, il, il y a dû y avoir des, des photos de magazines, ou des scans de magazines, parce que là, on a vraiment l'impression du... pour le coup, d'une impression de magazine de l'époque pour l'image de gauche, la dali. alors qu'à droite, Midjourney continue de travailler sur des poses assez classiques pour l'époque avec des, des, des costumes qui fonctionnent assez bien aussi pour l'époque je trouve intéressant le côté créatif sur les cols de Midjourney ça on l'a peut-être remarqué sur d'autres choses il y a souvent des cols asymétriques je ne suis pas sûr que ça corresponde vraiment à la période mais peut-être une inspiration pour de, de néo-créateurs euh, couturiers aujourd'hui mais voilà les photographies de Claude Langley transmettaient souvent un sentiment d'intimité et de connexion personnelle qui les différencie des images plus informelles, mais en scène typique de la photographie de mode de l'époque. Ici encore, Dali, je trouve fait quelque chose de plus intéressant sur les poses et sur la, sur la mise en situation des, des sujets. Avec, euh, on l'a vu tout à l'heure, un peu de couleur avec euh, une image qui semble sortie d'un magazine imprimé. Euh, là, c'est plus une photo plus classique. Peut-être un peu. Je ne sais pas. Je, par contre, je ne retrouve pas trop la période. Ce n'est pas très personnel dans son, dans sa, dans son travail. Mais une, une image que je trouve intéressante. Mid-journée va vraiment dans le classique. Là, je, je, par contre, je trouve que dans le terme du raffinement esthétique, euh, ça pourrait bien marcher avec, la, avec Frances McLaughlin. Euh, laissez vos commentaires, évidemment, comme, comme chaque semaine, euh, si vous avez à, votre avis aussi par, pour ces images. Mais. Rendu très intéressant des, des deux côtés. De plus, les photographies de Claude Langy étaient caractérisées par leur qualité intemporelle, ce qui leur a permis de rester pertinentes et iconiques des décennies après leur première prise. Alors, dans ces deux images, celle de gauche, c'était basé sur le, sur le texte de de GPT qui nous parlait de, des stars que la photographe avait pris en photo. Je ne suis pas très convaincu de l'image de gauche. Je trouve que ça ne ressemble pas du tout à l'imagerie de Frances McLaughlin, mais on retrouve un essai de présenter une star en image, avec un essai de glamour. Je ne comprends pas très bien l'articulation de ses ce, cuisses. Enfin bon. euh, et à nouveau là, c'est avec un, un canevas élargi. Donc deux générations pour euh, Dali. On, on génère une première image carrée et ensuite on est obligé d'étendre le, le cadre. Une problématique qu'il y a avec les dernières générations de Dali. J'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de régression des résultats. Alors peut-être que technologiquement parlant, et probablement que ça s'améliore. Mais j'ai un petit peu quand même l'impression de régression. Euh, ou en tout cas de... Limitation de, de la technologie, alors que là à droite, pour le coup, une image avec les nouveaux outils d'extension du cadre qui sont très photographiques de, dans mid-journée. Là, une image qui est assez irréprochable en fait, qui pourrait très bien correspondre à, à mon avis, à Francesc McLoughlin, et, et la façon dont c'est là où on se rend compte aussi, alors moi je, je travaille les, les prompts en fonction du texte qui m'est donné, mais aussi il y a l'interface utilisateur de ces outils. Je ne sais pas de trop court-circuiter, d'aller dans, dans du script. Je sais vraiment de les utiliser tels quel, Et, et là, Midjourney a vraiment pris un, un pas d'avance à mon avis en termes photographiques pour la facilité de création. Cela est dû à la façon dont elle a capturé l'essence de la mode, son utilisation de la lumière naturelle et la façon dont elle pose ses modèles. Deux images à nouveau. Là. Donc à gauche, j'ai à nouveau l'impression qu'on retrouve ces, ces artefacts de l'impression de magazines de l'époque. Donc possiblement que le, les données de base de d'Ali. De, euh, se passe sur des scans de magazines d'une certaine époque. On voit ces, ces décalages colorimétriques euh, liés au processus d'impression de l'époque, d'après moi. Euh, et à droite, là, on retrouve un peu l'image qu'on avait avant avec Dali pour mid-journée, avec euh, l'image, l'imaginaire d'une star dans un style très propre, en fait, très. comme on aurait pu un, un petit peu le trouver avec Frances, mais peut-être un peu trop léché, l'éclairage ne correspond pas forcément à ce qu'on avait l'habitude de voir avec elle. Alors vu qu'on a une Frances McLaughlin virtuelle à disposition, on va peut-être demander une, une création sur mesure, et, et donc euh, on va essayer de lui demander euh, un défilé de mode dans un grand hôtel à New York en 1953, avec des journalistes et des photographes dans la pièce, euh, photo dans le style de la photographe Frances McLaughlin donc cette fois-ci on regroupe les images de Dali une heure euh, et quatre et mi-journée ensuite euh, voilà ce que ça donne alors je trouve que pour le coup Dali alors, est complètement à côté par rapport euh, au style de Frances McLaughlin alors on retrouve effectivement explicitement quelque chose qui pourrait ressembler à un hall d'hôtel mais ça pourrait être n'importe où 1953 pourquoi pas c'est en noir et blanc le médium pourrait cor correspondre bien qu'à bah, Frances faisait quand même pas mal de couleurs est-ce que c'est vraiment un défilé de mode Celle de droite, oui. Celle de gauche, c'est dur à dire. Il y a un petit peu un mélange de, des photographes, des modèles. On ne sait pas trop ce qui se passe, en fait. Et je trouve que là, ça marche pas vraiment. Euh, ici, un petit peu mieux sur les deux images qui suivent. Avec euh, une impression, en tout cas, de hall, d'hôtel. Je ne sais pas si on retrouve New York. On trouve une certaine frénésie autour de quelque chose qui semble être un défilé, qui est éclairé. On voit des photographes autour. On devine des appareils photo. L'image de droite, dure à dire, il y a un mélange un peu de tout. J'ai l'impression, hormis le fait qu a, que je ne retrouve pas personnellement le style de, de la photographe, on a l'impression qu que l'intelligence artificielle mélange un peu tout et nous le sert un peu à la va-vite. Pour Midjourney, alors là, plus intéressant, je trouve que Midjourney est, 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 bien, est bien en place. Alors on a vraiment une impression de grand hôtel comme on pourrait le retrouver, j'imagine, à New York, je étais pas. Mais une sensation aussi dans le médium dans le traitement des couleurs les modèles la mode la focalisation on n'a pas beaucoup de photographes dans l'image de droite on devine des appareils photo, surtout à gauche mais je trouve que ça marche assez bien et là encore plus j'aime bien cette évocation alors après c'est très stylisé on a vraiment l'impression ces grands ces grands lustres qui luisent, ce traitement des couleurs, cette, cette, cette luminosité, ce style d'une époque, et quelque chose qui pourrait s'apparenter au style de Frances McLoughlin, à mon avis. Donc, euh, donc voilà. Euh, à nouveau, ben, j'espère que ça vous a diverti, euh, et que ça vous a intéressé un, un petit peu, que ça, ça vous amuse, que ça vous fait passer un, un peu le temps de manière sympathique. Euh, N'hésitez pas à aller voir le travail de Frances McLoughlin, évidemment. Euh, sur Internet, dans des livres, euh, dans les musées. Euh, allez voir aussi les, des informations un peu plus, un peu plus fournies et, et objectives. Euh, puis voilà, à la semaine prochaine. Yeah.